Ouverture au dialogue. Kuwa na muda wa mazungumzo. C'est parler. Kuongea. Donner à l'autre du temps. Kupatia mwenzako muda wa kukwambia. Faire des concessions lorsqu'il y a un débat. Sorry. Faire des concessions. Kuitika kuachilia ma décision zimoya. Wakati munakuwa mububishi, bimoya unaitika mwenzako akuwe na raison, usikuwe na raison, unasema bo, hivi wewe unaona hivi bo, tukamatie kubi yako. Pana mtu anasimama sawa chevron. Panke quelqu'un qui se tient comme un chevron. Haumu bouger mon position. Tu ne peux même pas le bouger dans sa position. Chérie, mina, non. Écoutez. Msikie. Celui qui t'aime. Mwenye na kupenda dans le foyer mubunyumba qui te donne le temps anakupaka muda te fait un beau cadeau anakupa zawadi nzuri. Je sais qu'il y a des couples assis ici najua kuwa kuna ndoa wanaokaa hapa peut passer même deux semaines sans se parler wanaweza fanya hata wiki mbili pasipo kuongea. Qu'est-ce qui signifie se parler? Kuongea maana yake nini? Il y a se parler et se parler. Kuna kuongea na kuongea. Dire à quelqu'un kwambia mtu j'ai besoin du savon. Nahitaji sabuni. C'est se parler. Ni kuongea. Mais dire à quelqu'un, lakini kuambia mtu, assis-toi, ka, je m'assois, na wewe on parle des problèmes de notre foyer, tuongelee shida za unyumba wetu, on vient d'où, zinatokaka wapi, on va où, tunaenda wapi, qu'est-ce qui va, nini inaendeka, qu'est-ce qui ne va pas, nini sioendeka, je peux rectifier où, naweza kosoa wapi, tu peux rectifier où, nawe waweza kosoa wapi, parlons de notre foyer, tuongelee bunyumba yetu. Je te dirai là où je me sens blessé. Kwenye na umizwa, je te dirai aussi là où je suis content de toi. Na nitakuelezea kwenye ninakufurahia. C'est ce que moi je suis en train de parler. Hiyo ndiyo niko nikiongelea. Vous avez ça combien de fois par mois? Je, munakuwaka na muda huo mara ngapi kwa mwezi? Kuna bibi. Confirm. Ananze kwa naelezea bengine bia inje juwa na mpake muda kumusiki. Elle commence à raconter les affaires du foyer en dehors du foyer parce que... Juwa nini, hana wakubiambia. Pourquoi? Il n'a pas quelqu'un où il va se déverser. Ah oui, oui. Écoutez-moi. Munisikie. C'est parler. Kuongea. Kuojiana. C'est parler n'a pas d'âge. Mazungumzo hayombi miaka. Se parler, kuongea, manger ensemble, kutembea pamoja, manger, kula pamoja. Il y a des hommes qui ne mangent pas avec leur. Kuna waume wasio kula chakula na wake zao. C'est comme si c'est devenu une coutume. Kama vile imekuwa desturi. Même ça qui vicha na huko. Ndio. Même si elle peut être prête avec les repas. Tiabia ke kule. Il met son repas de ce côté. Anakulia hibugadi yake mumafiga. Elle mange dans la cuisine. C'est mais mutiye bia baba yenu pa. Allez, mettez apprêtez la table pour votre papa. Mwanamke yego nakulia mumafiga. Une femme qui mange dans la cuisine tous les jours. Na bwana iko mu nyumba. Emma, le mari est dans la maison. Hamuyona sabato boko banakula pamoya banakuwa kabako banangaliana mu macho. Est-ce que vous ne trouvez pas que pendant qu'on mange ensemble les gens se regardent dans les yeux? Hawe kama nakuko binye batu banongelea kana kumeza bako banakula na batoto batu kama mshabimaliza. Et vous ne savez pas qu'il y a des choses dont les gens parlent en mangeant et les enfants ne sauront pas que vous avez fini? Eh oui, oui. La dernière fois que vous avez été comme ça, c'était à cause de quoi? Mara ya mwisho mulionekana katika hali hii ilikuwa ni sababu ya nini? Il vous est arrivé d'être comme ça dans. Je, maisha nimewafikia kuwa katika hali kama hii. Aha. Aha. Yo. Zambe. Mawa.
Être ensemble dans trop de choses. Kuwa pamoja katika mambo mengi. Avoir du temps pour se parler. Kuwa na muda wa kuongea. Discuter ensemble les priorités. Kuojiana pamoja vya kuanzia ko. Vya lazima mu nyumba. Ne pas laisser l'autre seul. Usiache mwenzako peke yake. Avoir une écoute active. Kuwa na muda wa kumsikiliza ya kweli. Un attachement. Il est kuambatana pamoja. Dans les moments heureux et malheureux. Katika siku za heri na zile za taabu. Sentir l'importance de l'autre dans votre vie. Kuhisi faida ya kuwa na mwenzako maishani. Aba batoto. Ses enfants. Ndakuwa nagusa kusehemu zote. Je vais toucher dans. Natamaliza. Aba batoto. Ses enfants. Mwenye natoka mushambre. Donc il quitte dans la chambre. Munakutania mu salon. Vous vous rencontrez au salon. Hakusalimie. Il ne te salue pas. Vraiment. Hamukulala mu chambre moya. Pourtant vous n'avez pas passé la nuit dans une même chambre. Point d'interrogation. En tout cas. Alama ya kiuliza. Mukonabo nabako hapa. Vous êtes avec eux et ils sont ici. Ah oui oui. Ni mwanzo ni tabia buchafu. Huyu mtu hawezi kuwa naongea na bibi. Cette personne ne parlera jamais avec sa femme. Na ule mtoto. Tu es un enfant. Unatoka mshambre yako. Tu viens de ta chambre. Unakutana naye mu salon. Vous le rencontrez au salon. Bonjour papa. Bonjour papa. Anakusalimia jambo. Comment vous êtes réveillé? Unapitanako. Et vous vous dépassez. Mwanamke mzuri. Dieu bonne femme. Mtoto mzuri. Amen. Bel enfant. Bazazi banalala. Les parents dorment. Mpaka 9h. Jusqu'à 9h. Hakuna mtoto wa kuuliza mwenzake. Il y a même pas un enfant qui pose la question à l'autre. Mbona papa habalamke mbi? Comment les papa et maman ne se réveillent pas? Kwa sababu watu wanagonjwa. C'est comme si ces gens sont malades. Mtu hajali. Quelqu'un il est insouciant. Anaweza même shinda. Et il peut même passer. Ayue habari ya papa na mama. Ne sachant même pas les nouvelles de papa et maman. Mauvais mari. En tout cas. Ni mume mbaya. Kabisa kabisa. Wa kesho. Meme bunyumba mzuri. Meme bon foyer. Munakuwa kamulilala kukitanda kimoya. Quand vous passez la nuit dans le même. Mwenye natoka mubusingizi wa kwanza anuzaka mwenzake unalamuka aye. Na muko kukitanda kimoya. Vous êtes dans le même lit. Oui oui. Et vous vous saluez le matin. Ah oui oui. Comment tu t'es réveillé? Wako anakuambiaka? Est-ce que wewe unaambiaka mwenzako? Est-ce que toi tu dis à l'autre? Ndio niko na muko kukitanda kimwe mna mimi. Vous êtes au même lit. Niko nasikia hapa kusikio hakuko bien. Je sens ici l'oreille. Utakuya lamuka na unayo eta ya mwenzako. Mtu uko na lamuka hasalimie mwenzake. Quelqu'un se réveille, il ne salue même pas l'autre. Baba fulani kuna bia kukuongelesha. Sina muda. Papa déjà à vous parler, je n'ai pas le temps. Lundi matin, sina muda. Lundi mardi, je n'ai pas le temps. Dimanche, sina muda. Dimanche, je n'ai pas le temps. Akwe naambia nani? Bon, à qui maintenant il va exposer ses problèmes? Question. Mais vous aussi, vous n'avez pas la compassion. C'est vrai, vous n'avez pas la compassion. Si tu prives à ton conjoint le temps, qu'est-ce que tu lui donneras? Amen, amen. Bon, ça va. Ok. Tu coches. Bon, alama. La dernière fois dont vous vous êtes parlé, c'est quand? Et c'était dans quel temps? Ya kutomboka. Est-ce que c'était pour tonner? Wale ilikuwa ni ya warafiki. Ou c'était comme des amis? Koshe. Jipeni alama. Mukiangalia makuple zenye bibi na bwana habaongeake. Si vous observez les couples dont les mariés les femmes la femme ne se parle pas. Za mingi zinakuwa kana bitu binye bakwamo na mareta. Nombre de ces couples ont des choses qui sont en retard. Je nakutana bitu binaanza fika kwa mchungaji. Et c'est comme ça vous allez voir les choses arriver chez les pasteurs. Tabia ongelewa mu nyumba. Ils ne se sont pas encore parlé dans le foyer. Hakupata muda kubieleza. Parce qu'il n'a pas trouvé le temps de le parler au mari. Kama lipata babibi babaya barafiki. Si elle a trouvé de mauvaises compagnies femmes. Mule njana enda bimwanga. C'est à cette femme là dont elle va se déformer. On va la déformer.